Salut gamers, je suis Time et bienvenue sur Time Erase Games. Et aujourd'hui c'est mardi et c'est le reset d'Halo Infinite et je le recouvre. Voilà, et on va parler du Yappening ou du Ça va Yap Yaper, l'événement qui va durer 2 semaines sur Halo Infinite avec une dizaine de récompenses à choper gratuitement en faisant des défis. On va parler aussi du fait que le split screen existe dans le jeu, hein. Malgré ce que nous dit Joseph Staten, en fait le split screen, vous pouvez y accéder dès maintenant. Je vais vous expliquer un peu comment. Et on va parler aussi de, voilà, de la réception un peu négative de cette... cette dernière communication, ces dernières annonces en fait d'Halo Infinite. Et je vais vous donner un petit peu mon avis, pourquoi je suis pas aussi noir, aussi complètement négatif, hein, sur le jeu en ce moment. Bref, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, on commence d'abord par la boutique, bien sûr, le super modèle opulent, le premier bundle de la semaine. Nous avons l'effet d'armure épique bout de chou floral. Ah oui, j'ai oublié de dire, 1100 crédits, hein, c'est marqué derrière moi, 1100 crédits, soit 11 euros. Bout de chou floral, qui est un effet plutôt sympathique. Franchement, je suis pas contre des trucs un peu décalés comme ça. Certains seront choqués, hein, j'imagine. Pose légendaire super modèle, où là vous êtes en mode Miss Univers. Magnifique. Nous avons la texture d'armure légendaire Mark 7 bronze opulent, qui est aussi vraiment sympa comme texture. Et enfin, nous avons la plaque nominative papillon hexagonal, à décliner sur tout ce que vous voulez, l'armure, les armes, les véhicules. Et voilà pour le bundle super modèle opulent pour 1100 crédits. Et je donnerai une note sur ce bundle, un bon 7 sur 10, malgré le fait que le prix est toujours scandaleux. Le prix est vraiment un peu trop haut, je trouve, mais bon. Échelon Ecto, la visière pour l'Eagle Strike, parce que l'Eagle Strike est l'armure, hein, thématique de l'événement. Nous possédons le vide. Eh bien, c'est la description de cet item. Et des moments, on a l'impression que c'est finalement le slogan de 343 Industries. Donc, Échelon Ecto, c'est 300 crédits. Allez, 4 sur 10. Ensuite, passons à Fierté Fantomatique, le bundle à 700 crédits. Avec la pose légendaire Point de Fierté, qui est plutôt sympa, qui est un peu, je crois, repris à Jojo's Bizarre Adventure. Je crois que le personnage principal fait cette pose souvent. Texture d'armure épique pour le Mark 7, le fantôme fumé. Pas spécialement fan, on a l'impression que c'est un peu le genre de palette de couleurs que vous mettez sur une grue, par exemple. Visière épique Eagle Strike Prélat Royal, voilà, potable. Et enfin, sac de box, qui est l'emblème, du moins l'illustration que vous allez pouvoir mettre sur, bah, non seulement votre bannière, votre armure, et compagnie, armes, véhicules, tout ce que vous voulez. Tout ça pour 700 crédits, ce qui est un brin cher une nouvelle fois. Je mettrai un 4 sur 10 as bundle, c'est franchement pas terrible. Et enfin, Fête de Grognard, qui est tout simplement ce petit logo que vous pouvez décliner sur tout. Et le background, l'arrière-plan, petit cadeau à droite. Même pour 200 crédits, c'est zéro. Donc voilà, le seul truc que je trouve potable cette semaine, c'est le super modèle opulent, le bundle le plus cher. Ou au moins, vous avez quelques trucs qui sont un peu... qui changent de ce qu'on voit d'habitude. Parlons de l'événement. Parlons de l'excitant, parlons du gratuit. Ça va yap-yaper. Ça va yap-yaper. Si ma manette veut bien fonctionner. Le bouton A, je vous jure, le bouton A sur les manettes Xbox. Sol glissant, c'est la première récompense arrière-plan. Tout simplement est finalement l'illustration qu'il y a, vous savez, quand vous allez dans des toilettes publiques et qu'il y a un petit panneau. C'est exactement ça. Ensuite, nous avons la couleur d'IA rare, RD Tyrène. Jamais compris pourquoi les couleurs d'IA sont des récompenses. Les couleurs d'IA sont juste... Genre, vous allez jamais regarder une couleur d'IA. Tout le monde s'en fout de votre couleur d'IA. Donc voilà. C'est juste, voilà, c'était ma petite rage de 2 secondes sur les couleurs d'IA. On s'en fout pourquoi c'est des récompenses. Texture d'arme épique, fusil d'assaut, souci de platine. Là, voilà, là, c'est intéressant. C'est une texture d'arme qui a pas l'air dégueulasse du tout. Surtout une couleur jaune qui est assez rare. La seule fois, je crois, où on a vu une couleur jaune pour le fusil d'assaut, c'était dans le nerf. Enfin, je parle jaune, hein, pas doré. Vraiment jaune, c'était dans le bundle nerf où on faisait
Il y avait des skins qui rendaient plusieurs armes du jeu visuellement proches d'un flingue nerf. Voilà, c'est pour dire ça. Vivière épique, câlin gratuit. Et qui n'a pas envie d'un câlin gratuit ? Vivière violette, sympa. Là, on est dans l'original. On est dans le truc qui va diviser. Ça va non seulement diviser la population, mais ça va diviser aussi vos cheveux, puisque c'est une iroquoise, mais en métal. Avec des espèces de bouts de lanières qui sont là pour faire tenir tout ça. Quill Hawk, c'est la cinquième récompense. Ensuite, qui est compatible... Je crois qu'elle est compatible avec tout. C'est pas marqué que c'est compatible uniquement avec Illegal Strike, donc je sais pas. Porte bonheur épique, une banane, qui est littéralement une banane. Là, c'est zéro effort, c'est juste bravo. Blanc citron pour le Mark 7. Donc voilà, la thématique jaune, hein, dans tout cet événement, c'est du jaune fluo. Mais c'est sympa, j'aime bien cette skin. Souci de platine, c'est la même skin que tout à l'heure, mais pour le sidekick. Ensuite, nous avons Fierté du Capitaine, la pose légendaire, qui est plutôt marrante comme pose. Pourquoi pas une nouvelle fois. Et enfin, Chaos Printanier. Et c'est là qu'on a quelque chose d'un peu nouveau, puisque c'est un effet de frag qui change à chaque frag. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions, parce que, pour tout vous dire, c'est l'heure du reset. J'ai dû refaire cette vidéo parce qu'il me manquait une information sur les modes de jeu. En fait, ils ont changé d'idée pour quel mode de jeu allait arriver, donc les leaks ne correspondaient pas, mais bref. Tout ça pour vous dire. J'ai pas encore joué à l'événement, mais je serais curieux de savoir si l'effet qu'on voit derrière, il change selon que vous ayez tué quelqu'un en critique ou avec des dégâts normaux, ou alors c'est juste aléatoire. J'espère que c'est juste aléatoire, parce que c'est sympa d'avoir plusieurs explosions différentes. On a un lapin, on a une tête qui ressemble à Harley Quinn un peu, enfin bref. Voilà, pour les défis de la semaine, vous avez toujours les défis d'événements, hein. Vous avez 10 défis d'événements à faire. Vous en aurez 20 en tout pour faire les 10 niveaux, puisque ça dure 2 semaines. Et donc, confondez pas, hein, vous n'en avez que 10 cette semaine, il y en aura 10 la semaine d'après. Worth, le porte-clés, c'est la récompense pour avoir fait tous les défis de la semaine. Je vous mettrai dans les commentaires le défi ultime, bien sûr, une fois que je l'aurai. Mais il est sympa, ce porte-clés, et puis c'est sympa de rappeler ce mème des élites qui font Worth, Worth, Worth. Voilà pour les news dans le jeu. Bien sûr, les défis vont concerner les nouveaux modes de jeu. Et quels sont ces nouveaux modes de jeu ? Et c'est là, voilà, que j'ai dû refaire la vidéo, parce que, pour tout vous dire, je vous avais cité des modes de jeu dans la première fois où j'ai fait cette vidéo, qui ne sont pas les modes de jeu finaux. Les modes de jeu finaux sont là, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça méta ménagerie, mais bref. Il y aura Big Team Battle Fiesta. Contrôle de drapeau, Big Team Battle Fiesta Assassin, Big Team Battle Fiesta Stockpile, je sais plus ce que c'est en français, mais c'est quand vous allez ramener des piles dans votre base. Big Team Battle Fiesta Total Control, donc avec Zone, en fait, ça s'appelle Zone en français. Big Team Battle Shotty Snipe, Skokette Slayer, je crois que c'est celui où vous avez des bobines à l'infini, c'était un délic. Et enfin, Team Sniper. Donc voilà pour toutes les playlists qui constituent le Yappening. Ça va yap-yapper. Parlons maintenant du split screen. Mais avant de parler du split screen, si vous avez aimé toutes ces informations que je viens de vous donner, mettez un petit like, hein, et abonnez-vous si vous voulez une mise à jour de tout ce qui se passe dans Halo Infinite chaque semaine. Je suis là. Bref, c'était le moment auto-promo. Maintenant, parlons de ce split screen qui normalement ne devait pas exister. Grâce à Halo Création, et je mettrai aussi le lien de Halo Création, le compte Twitter qui est un compte Twitter qui, comme son nom l'indique, concentré sur la création de contenu dans Halo Infinite, et c'est français, monsieur, nous a donné un tuto directement pour comment débloquer le split screen. Alors, je vous ai traduit ça de mon côté, puisqu'ils ont fait ça en anglais, ils sont pas bêtes. Allez dans le menu de la campagne et chargez une sauvegarde. Dès qu'on lance le chargement, allez dans votre liste d'amis et rejoignez très rapidement un ami qui est dans un menu du jeu à ne rien faire. Donc c'est quelqu'un qui a rien lancé dans le jeu, hein. Une fois que vous avez rejoint cet ami, quittez l'équipe. Dans Custom Lobby, sous l'option Serveur, mettez hors ligne ou offline. Ensuite, connectez
une autre manette avec un autre profil, appuyer sur play. Donc là, normalement, en fait, avec ces manipulations, vous vous retrouvez bizarrement dans le menu de création de jeu custom. Je sais pas comment, parce que c'est ce qui monte dans le tuto, mais voilà. Une fois que vous avez connecté votre autre manette et autre profil, appuyez sur play et ça lancera votre sauvegarde de campagne en split screen co-op. Et on a même un peu plus de détails sur ce split screen co-op. Alors déjà, on a la preuve que ça existe. Hein. Regardez, juste derrière. Ça tourne bien, hein. Ça tourne à 60 FPS, y a pas de souci. En tout cas sur Series X. Je crois que j'ai pas vu de gens qui ont testé encore le truc sur Series S. Mais en tout cas, ça fonctionne. Le seul truc qui ne tourne pas à 60 FPS, c'est la map, apparemment. Donc voilà, ça c'était Halo Création. On a eu aussi un compte de Binary Nonsense qui était là pour faire finalement un tas de tests sur ce split screen et qui, pour vous résumer, en fait, a vérifié que tout ce qui est dans la coop en ligne, vous savez, je vous ai fait une vidéo sur la coop en ligne, genre tout ce qui est, tous les détails sur la coop en ligne. Tout ce qui est dans la coop en ligne est dans ce mode split screen. Donc si vous ramassez quelque chose, ça le ramasse pour tout le monde. Si vous allez trop loin de votre camarade, si vous allez à plus de X nombre de mètres de votre camarade, la personne qui est partie le plus loin, enfin la personne qui ne fait pas l'hôte de la partie se fait re-téléporter, enfin meurt et se fait re-téléporter plus proche de la personne de base. Bref. Enfin, l'autre de la partie. Je vais pas vous détailler tout ça, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ça fonctionne pas si mal. Il y a quelques petites choses à savoir, mais une nouvelle fois, je vous mettrai le lien dans la description. Hein, parce que sinon, on y passerait 3 heures à vous lire, à vous traduire tout ça. La majorité de ce qu'il a écrit là, juste derrière, c'est juste que ça fonctionne. Ça fonctionne. Le seul souci, c'est comment partir de la partie. Il faut faire une petite manip pour pas avoir trop de bugs et faire bugger votre sauvegarde. Je vous préviens, si vous faites ça, je ne vous garantis rien. Si vous buguez votre sauvegarde, c'est sûr, c'est pas ma faute. Pas ma faute. Je suis juste l'informateur, moi. Bref, parlons finalement de l'ambiance. Hein. Là, c'est le moment de parler un peu de pourquoi les gens sont négatifs. Pourquoi dans mes commentaires même, il y avait des gens qui... Il y avait, je crois, une personne la semaine dernière qui me dit « Non, mais le jeu est mort. Arrête de couvrir le jeu. » Ce qui est ironique parce que j'avais arrêté de couvrir le jeu pendant quelques semaines. et je refais une vidéo et les gens me disent « Ah, arrête de couvrir le jeu. » Non, mais tout ça pour dire, les reviews sur Steam sont très mauvaises. Et probablement à cause de l'annonce du split screen qui a été supprimé encore plus que d'habitude. Hein, on sait que déjà l'opinion publique est pas incroyable sur Halo Infinite, mais là on a Steam qui dit les reviews récentes sont principalement négatives. 2359 reviews négatives ces derniers temps. Et on a aussi cette vidéo donc de sur laquelle je vous ai fait moi-même une vidéo de résumé. Halo Infinite Update septembre 2022, je suis pas réveillé, qui a apparemment 26 000 pouces vers le bas. Et dire que moi, je me plains quand exactement la même personne met un pouce vers le bas sur toutes mes vidéos de Halo. Je sais qui tu es. Non, je rigole. Non, mais il y a toujours la même personne. Tout ça pour vous dire, 26 000 pouces vers le bas, 8800 pouces vers le haut. Donc c'est un ratio de plus de deux fois en dislike. Et là, j'ai envie de dire pourquoi aujourd'hui je suis plus négatif, enfin je suis moins négatif peut-être que la majorité des gens sur le jeu. Déjà, la première raison, c'est que le split screen, j'en avais rien à faire, personnellement. Je trouve que en 2022... les situations dans lesquelles vous allez jouer en split screen, il n'y en a pas tant que ça. Et que aujourd'hui, tout est orienté vers le online, etc. Donc du coup, je compte rarement sur ce genre de trucs. Les AAA qui proposent du split screen, il n'y en a quasiment plus, hein, soyons honnêtes. Il n'y a plus que Borderlands. Je crois qu'il n'y a plus que Borderlands en AAA qui propose encore du split screen. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que le split screen ne me concernait pas. Je pense que moi, j'ai fait mon deuil. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fait leur deuil sur Halo Infinite.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce jeu ne sera jamais le Halo parfait que les gens attendaient, ne sera jamais le Halo qui nous offre du contenu régulièrement, des nouvelles maps tous les 2 mois ou tous les... alors tous les 3 mois c'est ce qu'ils voulaient faire, mais je pense que ça n'arrivera jamais non plus. Et donc, pareil pour les choses qu'on veut qu'ils soient corrigées, etc. Ça va prendre juste énormément de temps. Et des moments, il faut juste prendre du recul. Est-ce que... Et je le dis à tous les gens qui peut-être regardent cette vidéo et sont toujours là à commenter des trucs négatifs, et je sais pas pourquoi ils reviennent sur mes vidéos. Si vous n'aimez pas du tout Halo Infinite, ne revenez pas sur la vidéo, j'ai pas besoin de votre abonnement ni rien, quoi. Enfin, juste... si vous appréciez les vidéos, tant mieux. Mais si vous êtes juste là pour dire c'est tout pourri, c'est de la merde, etc. Je... Écoutez, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Mais tout ça pour dire, moi j'ai fait mon deuil. Et je pense que maintenant, j'essaie de trouver le positif dans ce qui se passe. Et pour moi, le positif, c'est que la saison 2.5, celle que j'ai appelée de saison 2.5, parce que finalement, il y a quasiment tout le contenu d'une saison, enfin, il y a tout ce qu'ils nous avaient annoncé pour une saison, sauf le Battle Pass. Hein. C'est juste ça. Sauf un Battle Pass complet. On a un mini Battle Pass. Je suis positif parce que avec la Forge, on va avoir... des nouvelles choses, on va avoir des joueurs qui vont créer des trucs intéressants, etc. En espérant que ça soit pas buggé à mort. On a la campagne en coop en ligne, avec des nouveaux achievements et tout. Et on aura aussi, mais alors ça c'est vraiment personnel, c'est le fait que ils nous ont dit, ah on va essayer du côté de la boutique de faire des choses déjà plus variées et plus intéressantes avec peut-être des partenariats, etc. Et donc, c'est ça que j'ai envie de voir dans le jeu, au-delà de « Ah, il faut plus de contenu, etc. » C'est juste, j'ai envie de sentir que le jeu ne me vend plus la même chose, enfin, ne me vend pas la même chose en permanence, n'est pas piégé dans cette espèce de truc où, ah, voilà, le moindre événement, on a des armures qui se ressemblent un peu toutes, on a des skins qui se ressemblent un peu toutes. On a l'impression que le jeu ne veut pas être fun, en fait, visuellement. Et peut-être que les fans hardcore sont en désaccord avec moi, hein, mais ça, je comprends. Mais moi, j'ai envie de... Voilà, le truc avec les fleurs sur les épaules, pourquoi pas? Les poses un peu ridicules, pourquoi pas? Mettez du fun dans ce jeu et parlez-moi un peu plus de... d'événements décalés comme The Happening cette semaine. C'est pour ça que cette semaine, là, je vais reprendre. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais si vous regardez encore la vidéo, demain, donc ce mercredi, à 14h, je streamerai sur YouTube The Happening, pour rattraper un peu le fait que je pouvais pas streamer la semaine dernière. Mais tout ça pour vous dire, il y a des choses qui se passent dans le jeu. Est-ce que ça se passe aussi vite qu'on aimerait? Non. Mais au bout d'un moment, il faut le savoir, il faut juste admettre. Si vous n'en pouvez plus d'attendre, il faut passer à autre chose, il faut passer à un autre jeu. Mais, si vous avez fait votre deuil comme moi, vous voyez que le positif, enfin, pas que le positif, mais vous voyez majoritairement le positif des choses qui vont arriver. Et puis, on peut rien y faire de plus. Aujourd'hui, Halo Infinite va toucher un public qui est peu ou prou, je pense un poil plus, mais à peine que ce que Halo 5 avait au bout d'un an. Voilà. C'est-à-dire un public de niche, il y aura pas énormément de gens, le jeu va pas dépasser, je sais pas moi, 5000 joueurs simultanés sur Steam, j'imagine, dans les prochains mois. Et c'est comme ça. Et il faut soit passer à autre chose, ou soit s'amuser sur le jeu. N'hésitez pas à juste jouer au jeu, et peut-être même prendre du recul quand vous voyez que tout le monde est super négatif, et se dire... Est-ce que je me suis amusé ces derniers mois sur Halo Infinite? Personnellement, oui. Ça veut pas dire que j'ai pas ragé, ça veut pas dire qu'il y a des choses qui vont pas. Mais je me suis quand même toujours amusé. Et je pense que si je me lasse pas encore, maintenant, un an après, ça veut dire que j'ai encore un peu d'espoir. Et surtout qu'on peut encore s'amuser sur Halo Infinite. Donc voilà, je suis pas... Voilà. Je ne suis pas complètement obsédé par le manque de contenu ou le speed screen qui a disparu, etc. Je pense que les promesses de 343 Industries sont faites pour ne pas être tenues.
C'est à peu près ce qu'on a retenu. Donc maintenant, je prends les choses au jour le jour. Et voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Désolé si ça sonnait comme une espèce d'improvisation monologue, mais j'avais envie de dire un mot là-dessus parce que il y a tellement de gens dans les commentaires qui viennent un petit peu pour descendre le jeu ou pour me dire d'arrêter de couvrir le jeu ou tout simplement des gens qui sont là pour un petit peu diffuser de la négativité. Bah, si j'ai plus envie de couvrir le jeu, j'arrêterai de couvrir le jeu. J'ai recommencé à recouvrir le jeu tout simplement parce que le jeu est redevenu intéressant là ces derniers temps avec les dernières annonces. Tout simplement. Allez, je vous laisse là-dessus, désolé si ça sonnait comme un long discours qui ne va nulle part. Mettez un like si vous avez quand même apprécié la vidéo et si vous l'avez regardée en entier. Passez une bonne semaine sur The Happening. Venez sur le stream à 14h demain ou samedi aussi à 14h sur la chaîne. On jouera ensemble, on profitera un petit peu de ce nouveau contenu. Allez, à toutes.